La foudre venait de tomber sur ma maison. Et c'est la seule maison dans Carcassonne à avoir été victime de cette foudre qui a occasionné des dégâts monumentaux. Mais voilà, donc mon bras droit, qui était cassé à plusieurs reprises, ma jambe droite, ma jambe gauche. Et des plâtres comme celui-ci, Jean-François en a toute une collection. Une accumulation qui lui a valu le surnom de Monsieur Skoumoun. C'est un système pour m'aider à plier la jambe avec une armature. D'ailleurs, par dérision, je m'appelais Pinocchio parce que je ressemblais à un véritable pantin désarticulé. Ce directeur de publication prend tout ça avec humour, mais à plusieurs reprises, il a bel et bien failli mourir. Comme ce 1er janvier 1974, où il s'est endormi au volant. Et vu l'état de la voiture, c'est un vrai miracle qu'il soit vivant. J'ai eu 14 mois d'hôpital, j'ai été cliniquement mort, j'ai fait un coma d'un mois. Et la poisse, il vit avec depuis toujours. À 5 ans déjà, il manque de se noyer dans une cuve à vin. Depuis, tout ce qu'il entreprend vire à la catastrophe. Comme ce jour où il décide de se mettre au parachute ascensionnel, une activité normalement sans risque, mais pas pour Monsieur Skoumoun. Et à ce moment-là, les alizés se sont transformés en vilaine tornade, en vilaine tornade, en vilaine tourbillon. Ça m'a mis le parachute en torche et je me suis écrasé de plus de 100 mètres dans la mer. Au total, Jean-François a subi 35 accidents, 6 mois de paralysie, 3 comas et 3 traumatismes crâniens. Comme la malchance ne prend pas de vacances dans la vie de Monsieur Skoumoun, son dernier incident remonte à septembre dernier. J'étais tranquillement, benoîtement installé dans mon canapé. À ce moment-là, il y avait un orage dehors. Et puis tout d'un coup, une explosion. La lumière s'éteint, la télé s'éteint, la foudre venait de tomber sur ma maison. Et c'est la seule maison dans Carcassonne à avoir été victime de cette foudre qui a occasionné des dégâts monumentaux. Tout a explosé chez moi, tout a cramé, la télévision, le frigo américain. Malgré ces catastrophes en chaîne, Jean-François estime avoir beaucoup de chance. Il faut dire que n'importe qui à sa place serait déjà mort. Un destin hors du commun qu'il raconte dans un livre. Mais Monsieur Skoumoun est-il vraiment poissard? Certaines personnes ont-elles vraiment moins de chance que les autres? Frédéric Armineau est thérapeute comportemental, il a son idée sur la question. On peut dire que les malchanceux provoquent leur malchance à ceci près que ça n'est pas nécessairement conscient. Ces personnes-là, comme je le disais, ont d'elles une image qui n'est pas particulièrement positive, elles manquent de confiance en elles, et c'est comme si inconsciemment elles allaient au-devant d'un certain nombre de problèmes. Alors ceci étant, il s'agit de relativiser dans la mesure où il y a des gens qui font l'objet d'une ou de plusieurs malchances consécutives, et c'est une question de hasard, ça n'a rien à voir avec elles. Une succession de hasards donc, mais qui finit par coûter cher. À Jean-François, mais pas seulement. Pour son assureur, le coup de la foudre, ça a été le pompon. Ce matin, ils ont rendez-vous pour faire le point. Oui. Mon ami Robert, ça me fait plaisir. Tu vas bien? Et toi? J'ai au total 1628 clients. Je confirme que c'est le seul qui ait autant de, malheureusement, de sinistres. Et si l'assureur a convoqué Jean-François, c'est pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai reçu donc un courrier de la société, comme quoi il ne voulait plus te conserver comme client. Mais ça, c'est pas possible, ça. Ah, non, mais je suis pas... C'est pas ma faute à moi. Tu le sais. Je sais, mais Jean-François, je sais que tu le crées pas, tu le provoques pas, que tu ne les fais que subir. Mais oui. Mais malheureusement, si tu veux, tu es client depuis, comme tu le sais, mai 2005. Oui. Et depuis cette date, nous en sommes quand même au sixième sinistre. Le 21 novembre 2006, il y a eu un dégât des eaux. Le 10 juin 2007, un autre dégât des eaux. Le 2 novembre 2009, un nouveau dégât des eaux. Le 15 avril 2010, encore et toujours un dégât des eaux. Le 6 septembre 2010, là, c'est un dommage électrique, c'est-à-dire la foudre qui est carrément tombée sur la maison de Jean-François. Pour un montant global qui va dépasser allègrement 9 000 euros. Un coup dur pour Jean-François. Avec un tel passif, il risque d'avoir du mal à retrouver un nouvel assureur.